Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. C'est ça. Et puis cet audio ici a été monté par l'application Apple. Mais je te dis, nous sommes... Je te dis ceci. Cet audio a été monté par une application bien déterminée. Nous sommes le mouvement de libération du Congo. Avant que je communique, on a déjà fait des recherches. Les spectateurs congolais de télévision, comme Nenge Toulobaka de partout, beaucoup d'Andabiso, Nenge Toukoubeta Masolo, Natango Oyo et Sengelibo Simba était l'heure est grave dans la République démocratique du Congo parce que la situation s'empire et Zoke Nikaka, dans le Lenge Moko Bouibakouba, Congomani, Toba Congolais, Bakouéba, sort de suite Yamakambo et Kozala Nenge Nini par rapport à la situation à Est de la République démocratique du Congo et pour et beaucoup plus aussi la situation politique dans la République démocratique du Congo. Et pas eu le nom de 4 émissions d'habitude à l'élo et c'est un libre à la wana pour partager bon la n'ayango parce que ma vérité comme ma awa et puis et n'est tout le bac à toujours qui est allé temple la vérité temple la preuve l'élo et la grande question de savoir la situation est la République démocratique du Congo aussi en tant que les États-Unis demandent il y a retrait immédiat et puis il y a
Kolongo là bas soldats rwandais dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais chef y a renseignement États-Unis à CIA à Zanakati à Rwanda. Est-ce qu'elle est paradoxe? Est-ce que États-Unis montent à ils combattent la République démocratique du Congo, ils allent comme ils m'ont poissé l'élo, tout ils allent Rwanda monte à l'Iboso par devant. Donc oui, mon émission à l'élo parce que l'élo c'est ngali aussi mbaete ba vérité comme ils m'ont namokolo à l'élo. Alors la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo, Bélé Balobi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, situation d'aller qu'on s'empirer dans l'est de la République démocratique du Congo, ils allent colobater, mais mon colonel de l'Ikobeta Masolo Boué, chef de l'État, a réuni le conseil supérieur de la défense et Payoa Piyo et Kumbami Namonamboka Jean-Pierre Bemba. Bah, ça, les déclarations na bango, après sortie, Togotang et Labino Yango, parce que c'est un lito débattre en émission à l'élo. Le conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président de la République a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême, des forces armées et de la police nationale. Gangrener scène politique autour de Solomon Lelo. Les Alibitumba, ils allaient entre Monamboka, Jean-Pierre Bemba, Namonamboka, Jean-Lucien Boussa. Bangonioso, Nakatia, Grand Équateur. Bakoole là, Nini. Ils allaient au Nio autour de Labino, Bukoyoka Yango, peut-être déjà peut-être par illustrer qui Yango. Aye, dis-je, on monte la montagne, t'as mis dans des gens aye. Kasi, Luca, Bondeko na Bandeko no solo. Sobo Luki, Bukoyoka Nde bato, moka o tombo ki to salibo. Takanisi eloko mususu ekolele kapembe nombo yokoye bate. Bongo pona lelo zwanga. Indio parce que tamo tukuda ni agemena. Ose ina mori mbisi. Nandino da limbisi yo. Tamo la yoki nisu tu beo kola na lubito mese. Pa posi mora si koyo. O lukola oye misi ngay boi pole mizate. Nandimi oyo lubi wana. E kega makamu ya Musa wana. Oye kata pinga katata na ngay. Sola ya zalaka tulaka mokritu teme la pita kie matati. Ose oka ngay. La vérité, moi, Jean-Pierre Bemba à l'objet.
Mais d'autre part, Lelo Petrolina, retour, il y a ma poche, il y a Jean-Lucien Moussa, Bango Pébalobi. Mais l'émission à Lelo, Petrolina Moko, Docteur Patricia Dali Bomona, Katia MLC, mais tu connais plus fait l'actualité ou la nuit, parce que l'heure est grave et c'est de partout où vous avez mis la situation de la Canada République démocratique du Congo. Moi, je suis Docteur Patricia Moutenayo. Mbote Ndeko Olivier, merci une fois de plus pour l'invitation. Je crois que Tokolo Baba Makambo Ezali Yamotuya pour la République démocratique du Congo. Et puis, dans l'ère où tu Lelo, il faut te retrousser ma manche et ma chemise à la pour que parce que tu as la guerre. Et puis, dans l'état de guerre, Maman Kamoussou Ezalaka Yako, ça l'envoie avec beaucoup d'intelligence et de prudence parce que. Oyo tozo bunda eza lopango ya biso, savi lopango commun o batata na biso batikela ki biso batata na biso ba Lumumba ba Kimbangu bato bakata ma ba maboko bato bakufa des milliers de personnes ba bunda pour que lelo toza na République démocratique du Congo neti toza na ngolo lelo. C'est pourquoi na ero eza ere ya concentration sur zota la ilongi ngeze longi ya kanda ya koloba que le pays est en danger, le pays est en guerre. Nous devons nous réunir, travailler pour que Mboka Biso, notre héritage commun, puisse être resté intégral. Parce que tu as une émission en deux parties. La première partie, mon Mboka, officiellement, les États-Unis appellent le Rwanda à cesser de soutenir les M23 et immédiatement de retirer les forces armées rwandaises du territoire congolais. Mettons tout comme ça, les États-Unis pour proclamer retrait et puis Atika pour accompagner M23, mais tout comme on a. Si y a responsable Nayango, à ça, c'est les États-Unis. Ndeko Olivier, tu as les lois sur la phase Yako, y a l'armement, ou tu as la phase Yako, Yako, les États-Unis, France, Angleterre, et ba force wana nyonso baza pour na biso te tout longo lango na makanisi na biso ke États-Unis ba communiquer no ebi combien de fois ça lobby déjà que Rwanda a quitté sol congolais na ba communiquer ça n'a rien pour nous encore. Ça veut dire que ce qui le congolais azaka na ndoto tout ya kulala ke batunde ba ko uta libanda ba ko gundila epo na mboka na eza ndoto tala ba peuple nyonso ba bimana ba na ba boumbu ba peuple nyonso ba bima na souffrance ba bundaka bango moko bazwa ki conscience ya kolbate ngai lelo eza mboka na biso eza en danger mse lelo ko na koko tike la bana ngai eza mboka na ngai donc ce qui est en danger je dois me battre ce ko tali na révolution française eza ba français ba moko ba moni ke non tout c'est trop ba se batati lelo baza na France ce ko tali na ba Allemagne ba se bataki pour ba bima na ba colonisation ce ko tali na ba mboka nyonso ya mikili o ba bima na ba ba passi ezalaki parce que bango moko bazoki conscience et que tiens mboka na biso eza en danger nous devons travailler tout le monde makamba États-Unis ne console lui joue les deux jeux tala ye uchochi a communiquer mais muto atali renseignement na ye azana Rwanda ça veut dire que donc tous ces gens là font le même jeu azoko sazo souffler le froid et le feu le chaud akoyebi sabino ale lobotika donc bo retirer kuna a lobby kende continuer donc batwana Bouye bake aussi longtemps que la République démocratique du Congo existera, tokozala na partenaire moko sérieux te. Parce que tozali na eloko bango tu bazo luka ba moni ke pona kozwango bien ezali ya koyiba. Nendenge oyebi combien de fois déjà président de la République a sa yebi sa bango ke tozali a bouya tout ça la partenariat gagnant-gagnant que pour que batu ba vivre en paix makile tanga te bozui. Richesse au besoin d'angoposa. Nandengi a bosolo biso petozu et loko tozala angoposa. Est-ce que balingi parce que seulement, pour ça la bango isali qui est parti nyon sur la richesse ou anou tozala ango, et zala non directement amputé la République démocratique du Congo. Mais si ko isko il faut tout tel, matou ybisa wadinga bande koke non. Makambo ya Guerre ou isa makambo ya Jean-Pierre Bemba kakate. Eza makambo ya Tshisekedi kakate. Tshisekedi c'est un passant. Na lobela ango batu mille fois. Tshisekedi passera. Jean-Pierre Bemba passera, le Congo doit demeurer un et indivisible. Parce que le Congolais, il y a un peu de temps, parce que
Et une semaine après, ou bien une semaine et demie, il y a un chef de l'État d'Ali Koloba. Et l'autre côté, il y a eu comme on en a été. Et même, Bandeko Balobi, Togota a d'abord communiqué au Sissou. Le président Félix a réuni le Conseil supérieur de la défense autour d'horizon, a eu lieu sur les questions militaires et opérationnelles au Nord Kivu. Là, ils ont eu un rapport, il y a Jean-Pierre Bemba. Après avoir battu Koloba, et moi, dans mon cas, Félix, toi, tu sais que tu es à Koloba, et aussi longtemps, à Tikaki population, un message, il y a espoir. Qu'à moindre escarmouche, à vous déclarer guerre contre le Rwanda. Mais le nom escarmouche est commis et belé. Moi, je suis Félix à Koulobali sous-souté. Et le nom est bien mal à Bimina écran. On dit que Basali conseil supérieur et à défense, calamité, réplique. Oui, écoute, t'es pas mon amour à Félix à ton tchisseke. Oebi, à l'obaki en haut, et puis il demeure à propos naé. Abaki à la moindre. Oebi, constitution en bouc en abissant des âmes libées comme Mibé Kolikondi. Et le bac qui épaissit comment le président de la République peut demander de décréter une guerre. Et le bien la constitution, que ce avant président de la République a décrété guerre, il faut rassembler les deux chambres en congrès. À Spengi Bango permission, après ça Bango que non, nous devons déclarer la guerre pour ça, ça, ça. Les lois qui est tout ça en chambre basse, validation du mandat de Bango, ils allent dans la commission et qu'on sort. Si qu'on a un gars, le président de la République n'a pas. La capacité de déclarer une guerre directement. Toujours, c'est la validation de mon mandat. Et ça, les manettes du Sénat, et que nous en place jusqu'au mois de mars, le président de la République aura maintenant cette manœuvre-là pour ça, Nini, de réunir les deux chambres. Tout cela aussi, l'entente de population. Non, mais pour causer la carte, Pour yo qui déjà a outé qu'on réunit le Conseil supérieur de la défense, pour n'a qu'on soit ma stratégie, qu'on soit ma stratégie, qu'on est banni ni salement. Et puis, au cas qui vient de Jean-Pierre Bembanenga Lobikuna, ma cambozo le bamamingi n'a pas réseau sociaux, et ça ma cambozo les cas sur terrain, puis en réalité. Yo ça journaliste d'investigation, oyebi. Autant yé ba que, ba guerre se gagne maraka kana chan ya bataille, il y a aussi des guerres communicationnelles. Pour qu'on continue sa peur, qu'on continue sa division, on sait qu'on a un mot qui est congolais, qu'on va pas aïe. Et c'est Sili Nango, Gome Koko et Alobi, Mboka Nabiso et Kei. Pour attendre, on va continuer de plus en plus peur dans Moutou Nabino, pour qu'on ait la capacité à réagir, au cas où, de velléité à réagir et donc, le lot, et le commission, on va journaliste, on politique patriote, il faut passer à la parce qu'on a beaucoup déjà. Il y a des journalistes soudoyés. Et pas à M23. Bah, toi, tu as tweet, tu as dit que ce qui a été à la vidéo, tu as dit que tu as tweeté. Pour que tu aies de plus en plus que le territoire est en train de se faire, et que tu as dit que tu as dit que les journalistes ont dit que tu as dit payé pour la bénémie en Congo. Parce que dans une vie, ça arrive chaque jour de Olivier, que cette guerre est une guerre où tu as la terre mis balé. Tout ça, la terre passive, ça veut dire que dans la carte, il y a Congo, il y a des politiciens, il y a des députés, il y a des sénateurs, ils sont là. Pour le bazar qu'on soutenir, il y a un intérêt dans le Congo. Tout ça, il y a des actifs, il y a sur terrain, il y a des M23. Et puis, tout ça, il y a une phase de sous, il y a des libanda, il y a des bango, il faut avoir un coltan, il y a des biso. Lélo, nous, le patriote, Otomi Ben Gabawazalem. Nous devons nous lever contre Babilo Kwabongo. Un homme normal ne peut pas être en jouant tant Mbokanda qu'on est brûlé. Et puis, il faut comprendre, cher Olivier, que le président de la République est comme une père de famille. Babilo Kwabongo, ganga, hey, papa, moutoumoko, hey, tout ça, la gabo, hey, papa, hey, non, tout fan, non, tout comprendre, c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Le président de la République fait, à hauteur qui va passer à revue, tout ce qui se passe dans le territoire congolais, et puis bah, le niveau opérationnel Tozali. Tout est confié parce que tous les moyens ont été mis en disposition et il y a FARDC. Tous les moyens ont été mis, et le moyen matériel et financier, pour que Mbokanabiso ni Gomekoya et tous en la capacité à récupérer ma place sur les hommes qui sont ennemis. Tout ça, ce n'est pas facile, c'est de la guerre. Une guerre où nous connaissons clairement qu'il y a des puissances. Oye bazako est vrai pour que Mbokawana et Katana. Otozo lité na Ngozali, ba Gero Ezali, et to mundana ba tuna ba étranger, et to mundana ba nana ba loko. Donc, que awa Tozali, Nanzambe ya nabisu ba die de Kimbango, de Lumumba, place nyon so bazali, ou ba bengaka, il faut tout tombo la ba énergie nyon so yabisu. Na ba ou ba oua, na ba ou ba vivant,
pour que tout le monde habite Tumbo. C'est une guerre. Et c'est l'autre ma blague. Il y a un gros awa. Je suis en train de passer le message dans ma Twitter. Lelo, mbato bazo alibou, cerveau bako tsana alibou. Elle, tozo beta makambouya, etat bango bazo beta makambou. Et ça inutile. Et ça n'a sens. Elle, tozo beta ke, il y a des milliers de morts à l'est de la République. Il y a des gens qui sont violés chaque jour. Il y a des bébés tués. Moutou babomi, yé babomi, moi, papa devant bananaye. Tout ça, c'est grave. Au lieu d'en parler, au lieu d'y avoir comme matissa, énergie, y'a comme éveiller population, nous savons que nous n'avons que ce pays n'appartient pas seulement à Jean-Pierre Bemba. Ce pays n'appartient pas seulement à Tshisekedi. Ce pays nous appartient. Mais ils ont les locaux moriens, les locaux docteur Patricia, les Congolais, ceux qui ont été même dans ma Twitter, les locaux Congolais, ils ont tweeté. Et est-ce que ils allaient vrai? Là, ils allaient question à la retour. Mais le bien était, maintenant, ce mécanisme qui est Jean-Pierre Bemba à la tête de la défense pour ramener paix, ils allaient sans effet. Mais c'est que, on a eu ça chaque jour que Maël les comme Koko. Donc, cerveau, comment Koko m'a mis dans les boumois, les Congolais. Ça veut dire que le cerveau d'État n'existe presque plus. Est-ce que vous connaissez les prérogatives d'un ministre de Défense? Le président de la République est le seul commandant suprême des forces des armées, de la police. Ça veut dire Azar commandant suprême. Bemba n'est pas habilité à donner des ordres sans qu'il puisse être reçu par le président de la République. Vous comprenez? Bemba n'est pas le commandant suprême des armées. Le commandant suprême des armées, c'est le président de la République. Et puis Bemba, Jean-Pierre Bemba, suit une ligne déjà tracée par le gouvernement congolais qui est chapeauté par Samalou Kondé. Par rapport, le ministre, il est le chef sectoriel de son service. Au politique, au Yazo joué, et sa politique tracée par le gouvernement. Bemba de lui-même peut vouloir dire que tout est négocié à la guerre. Mais le gouvernement, la ligne du gouvernement, ne dit pas, bon, non, à cette phase ici, pas encore la guerre. Allons d'abord ça. Bemba est obligé. Il ne peut pas aller à la contre du commandant suprême. Il faut comprendre, c'est une chose. Vous avez une entreprise, il y a le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise vous donne la ligne de l'entreprise. Vous lui dire que papa, ça, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, vous ne pouvez pas faire ça à ce moment. Même si vous avez une proposition, il y a qu'on paye ça. Dans l'émission proposition, Jean-Pierre Bemba paye ça car tant qu'on est ministre de la Défense, dans le premier conseil de ministre, c'est Salim Maka. Et bien, c'était que ma priorité, c'était de faire la guerre. Mais déjà, il faut savoir qu'il y avait déjà une ligne du gouvernement où on devait commencer par la diplomatie. La diplomatie, il faut équiper d'abord le gens. C'est ça qu'il est en train de faire. Depuis Jean-Pierre Bemba, comme il a le ministère, il y a défense. Ce que nous avons que les armées ont changé. Armées ont que les gens sont beaucoup plus disciplinés. Armées ont que les gens sont beaucoup plus équipés. Armées ont que il y a des recrutements. Armées ont que partout il y a des écoles militaires. C'était ça la ligne du gouvernement. Jean-Pierre Bemba, qui était un homme d'État, ne peut pas aller à la contre du directive donné par le commandant suprême. Ce n'est même pas Tshisekedi qui a voulu ça. C'est la Constitution qui lui a imposé. Que vous êtes le commandant suprême des armées. C'est vous qui donnez l'orientation de tout ce qui est... Parce que le ministère de la Défense, c'est un ministère beaucoup régalien. Ça veut dire des ministères régaliers, l'incol bah que ministère oyo ezali na mutu ya mingi pour namboka ba décision babilo ko nyoso il faut ezala mingi le président de la République là ça parce que c'est lui qui est le garant de la nation. Donc batou bazo landanga il faut pas comprendre que le Jean-Pierre Bemba c'est un ministre sectoriel de la défense, il y a un commandant suprême des armées. Jean-Pierre Bemba za mosali ya mboka via Félix Tshisekedi. Ce que Félix Tshisekedi a lobby, Jean-Pierre Bemba, appelez toute la troupe, on va à la guerre. Et puis c'est Félix Tshisekedi qui le dira public, parce qu'il va lobby pour déclarer guerre, au réunir des chambres, il y a parlement, au syndicat, et puis au annoncer en gros. C'est ça que la Constitution dit. Ça veut dire que le jour que Félix Tshisekedi fera, rassemblera, au cas où la campagne, le jour où il a rejoint Escaramouche, il a rassemblé les deux chambres. Le jour que le président Félix va rassembler les deux chambres, et puis c'est ce qui va se faire dans les jours à venir. Tous les ensembles assemblés. Et Jean-Pierre Bemba, là, t'as tenu à quitter.
parce que ça sera maintenant biso tout même président de la République sera à Rubandola Tateni veste et longue tout comme une guerre. Donc à ce moment-là ça sera ça. Le gens qui condamnent, qui disent OK même bas la tête de défense ça ça ni c'est que mutu za mingi na libumu. Réfléchissez, lisez les lois de notre pays. La loi de notre pays ne donne pas à Bemba la liberté de déclarer une guerre, par exemple. Ça, ce sont des choses sensibles pour l'État. Et puis, ça revient qu'au président de la République. Et après, tant le président de la République, il sous ma paix, c'était que nous avons déclaré guerre. Tu vois comment la Constitution l'a bloqué? On dit que même ceux qui s'y président de la République a la volonté de déclarer guerre, il ne peut pas le faire. S'il le fait, à Boukimibé, qu'on le conduit. Maintenant, ma paix, écoute, ma c'est papa, il faut déclarer mon côté. Il faut que même représentant du peuple, analyser ce que déclaration de guerre na yo. Et tu as payé en danger. Après ces analyses-là, que le président de la République déclare la guerre. Et puis va le rendre officiellement pour informer le peuple congolais que l'élo, tout ça n'a guerre. Ils ont négocié avec un état de siège et état d'urgence. Alors, l'élo, mon amour, docteur Patricien, n'a pas dit qu'il était congolais. Et ils ont dit qu'il était congolais. Ils ont dit qu'il était congolais parce qu'ils ont dit qu'il était congolais. Chef de l'État, Esther, puis démocratique du Congo, jusque-là, les Congolais, ils ont été, donc on a quand même la frontière, on a la carte de l'Ouganda, dans la RDC, tout le monde est militaire, il y a l'Ougandais, il y a l'Ougandais, il y a l'Ougandais, il y a l'Ougandais, il y a frontière, tout le monde est militaire, il y a l'Ougandais, et il y a Rwanda, dans la RDC, il y a l'Ougandais, et frontière et aujourd'hui chacha de éviter situation là mais comme information chacha entre les mains il y a ba rebelle il y a M23 oyo tout ça n'a information de ligne ngo sukoyo. Quant à vous chef de l'État avec nenge to kosenga na yo été aux ali kokumba destiné il y a la population congolaise pays à peuple congolais à moka Congo mobimba chef de l'État agir parce que trop c'est trop. Tolembi un peu, chef de l'État. Tolembi un peu, ma congolais. Tolembi un peu, parce que tu penses sur légitimité, tu penses sur pouvoir pour que tu aies la défense de l'Abisso face à la tunisie de l'Abisso. Moi, je suis un docteur Patricien. Je suis dit que l'information est comme virale. Parce que les réseaux sociaux sont bimba et Colombie la Likambo. Jean-Pierre Bemba, je suis un docteur Jean-Lycée Moussa, Bitumba et Bangi. Voice et Bimi. Na bandi yete ndeko na ngai Sam Pro Fisher ako illustré voice wana tokoyoka yango lelo oyo na kati ya République démocratique du Congo Jean-Pierre Bemba na Jean-Lycée Moussa Jean-Pierre Bemba lobi yete afinga kitata na ngai soki patriotisme te melenga ngina beta imbuma voice comme viral na kati ya réseaux sociaux bana mboka banandi yango mona mboka Patricien yo zali na kati ya MLC. Donc, au moins, il y a un des gens qui est toujours, ils en abattent, mon cousin, je dois les dénoncer ici. Il y a un groupe de journalistes, n'invitez ceux qui basent, qui basent journalistes, et tout est batanga qui vraiment normalement. Oyo, ndeko moko boyo, oyo, tanga kombo, asoudoya. J'en disais, moussa, asoudoya. Asoudoya, batou. Hein? Pour que, ba l'obaka mabe à Jean-Pierre Bemba. Sans raison. Sans ligne. Parce que bateau tout bas l'Andabiso, vous m'avez dit que produit Wano Tangi Kombo, il est le produit du MLC. Oh, Jean-Lycée Moussa Outa na MLC. Mais oui, il était notre secrétaire général adjoint plusieurs années. Donc je ne vois pas qu'un père qui veut tuer son fils. Et puis, Toke Tolongwe, Tolongwe non na Makambouana. Tala Moutou Azo Kouma, qualité à Moutou Azo Kouma Wana. Azo Twitaka, Yeso Kotali, je ne crois pas, Azaï Sounatan, il soit retraité. Information te naebi kebino principe l'un des principes fondamentaux na bino zalaka et récolte traitement et diffusion. Donc vous récoltez l'information, vous le traitez d'abord et puis vous diffusez. Mais Yves Bouyawana, je comprends que les lobby les né comme un oiseau mutuni atia na libumu akuma ne bongo. Donc il y a to boakili ataka siko lobby ke gome koi atie a boakili pemba moko gomba tomber alors qu'il devrait traiter yo yo kana audio wana. Vous êtes des experts quand même en communication. Yoka audio là, tu sens que ce n'est pas l'audio authentique parce que l'audio là, au moins qu'il y a une conversation entre des personnes. Oui, na téléphone. J'ai une conversation ici entre des personnes ou enregistrer ta conversation. Vous allez voir que dans cet audio, il y a des interférences. Alors que la conversation entre des personnes. Et puis cet audio ici a été
monté par l'application Apple. Mais je te dis, nous sommes... Je te dis ceci. Cet audio a été monté par une application bien déterminée. Nous sommes le mouvement de libération du Congo. Avant que je communique, on a déjà fait des recherches. Cet audio a été monté par une application, par Moutouana, serait monté par Yves Bouya. Et puis, si Kassali Ango, on le connaît. Et si Kassali Ango, ça va monter à Jou, à Katia, à Tia, à Katia. Ce n'est Jean-Pierre Bemba n'est ni de loin, ni de près concerné par cette histoire-là. Ah, aujourd'hui. Mais Yoka, qualité. Attends, j'ai l'audio. Nazan appelle moi qu'on a enregistré dans mon téléphone. Nayo qui soit en haut, Oyoka paye sous Yoka. Oko Yoka ke? D'accord. Abimé Dalibanda là. Abimé qui déjà au procès Bichon Amlonga. Ça c'est l'appel enregistré. Le bruit de fond est. Il n'y a pas d'interférence. Hein? Il n'y a pas de coupure de parole. Il y a des histoires. Alors que ici, Oyoki, pas de bruit de fond. Il y a la clarté même. Na principe, il y a montage et audio. Il y a un principe où il y a une application. Ça, il y a une application pour la clarté. Ça, il peut vous dire que, Lelo, je n'ai même pas le temps, beaucoup de temps à consacrer na bato. Bon, on a dit que les cerveaux déjà ta mon cerveau n'est comme une alibou. OK, so ba ba pe simon le meilleur a jume ba moko Twitter ça les locaux. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a tellement de choses à faire. L'état déjà ta ton guerre à l'est où il y a des millions de gens. Mais est-ce que tu crois que cher Olivier Bemba qui a fait 10 ans dans ces pays, qui connaît ce qu'on appelle la preuve, une preuve, la qualité d'une preuve. Bemba peut avoir cette erreur-là de causer avec une personne qu'on va que je vais tuer. Mais moi, non, quelqu'un qui a fait plus d'un an à la justice internationale. Il défendre le Jean-Pierre Bemba aussi en tant que ma proche. Il y a Jean-Lucien Boussa. Il va vous confirmer. Il y a un message. Mais ma proche, il y a Jean-Lucien Boussa. Mais ma lobby qui va... Ah oui, il y a un temple. Ma proche, il y a Jean-Lucien Boussa, ma lobby. Si on a un message, vous permettre d'en attendre un message. Oui, un message. Les proches de Jean-Lucien Boussa confirment que les menaces contre leur frère datent du 4 janvier 2023, en pleine période des festivités du Nouvel An. L'ex-compagnon de guerre de Jean-Pierre Bemba pendant la rébellion, Major Ndabeleka Jean-Benoît, a été envoyé pour attaquer physiquement Jean-Lucien Boussa qui se trouvait à Boudjala avec sa base. Grâce à la vigilance des services de sécurité, il a été arrêté au village Likao Andolo Liboko, Boudjala, avec son arme de crime. Il a passé 3 mois à l'ANR, Kinshasa, et transféré à la prison de Ndolo. À notre grand étonnement, il a été libéré malgré sa condamnation, alerte les membres des familles du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Là, c'est une déclaration. Il y a un membre et la famille, il y a Jean-Lucien Boussa quant à la situation. Mais c'est simple, non? Donc, au moment où on a dit que ça, c'est de l'hérésie encore. Vous dites que Moutouaki Kobomande Gonabino, n'est-ce pas? Vous Kangaki, vous transférez devant les juridictions compétentes. Depuis quand? Le 4 janvier. Le 6 février 2024. Donc, le 4 février. Le 4 février. Ça veut dire un mois durant. Alors que le fait, pour Nabango, c'est ce qui produit avant, non? Pour l'hôpital, au moins il y a contradiction. Bah, que le fait a été constaté ou produit avant. Bazoua qui moutoua na bakangi batindi wapi. Non, la prison, il y a un dolo. A sali 3 mois. Après jugement. Libéré. Donc, tout ce temps-là, ils n'ont pas. Ils quitté que c'est Jean-Pierre Bemba qui a tindaki. Tentative, c'est les maras déjà. Ceux qui tentative et salé maki. Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes un état des droits. Allez porter plainte. La cohérence serait ça, c'est tout simple. Allez porter plainte, amenez vos éléments de preuve. Parce que nous aussi, au mouvement de libération du Congo, nous allons porter plainte contre le fameux journaliste qui est en train de diffamer et Azako propager ma faux bruit.
il est lui, ce monsieur qui tweet n'importe quoi, il doit savoir qu'il a les fourmis dans ses pieds. Il a les fourmis dans ses pieds. Nous, nous sommes un parti républicain. Nous allons agir et utiliser des voies légaux pour que tout soit au clair. Mais moi, je veux la trempe de Jean-Pierre Bemba. Toute personne qui connaît Jean-Pierre Bemba sur le plan communicationnel vous dira que ça, c'est faux. Même s'il n'analysait pas le même le si famille n'a pas confirmé. Même si, bah, même tout ça. J'ai dit à Jean-Luc Sagou, c'est pour confirmer ma tentative. Cher Alain, n'a-t-il pas ce cas de défaire pour l'action qui est odieuse à Nizalokuta. Dans la conversation comme ça, vous ne pouvez pas avoir des interférences. Yoka audio, on a pas audio en gros yoka non. C'est ma congolais balandia. Non, c'est là au naza audio là. Dans l'action qui audio là, il y a. Je venais de faire écouter l'audio d'une personne qu'on a enregistré, qu'on a enregistré. Et regardez ça. Oh, audio enregistré. Donc ça, c'est l'interférence. Il n'y a pas de fréquence. Donc, tu vois, ça veut dire que cette histoire a été montée de toutes pièces, mais nous, le chairman a tellement de choses à faire. C'est un homme d'État. Il est aujourd'hui préoccupé pour la guerre à l'Est. C'est pour nous ramener peine en Mboka Nabiso. Bah, les hérésies, les inepties, il y a des gens, oh, bazar semblable, il serait des malades mentaux. Nous, vraiment, on a pas le temps. Il y a pour s'éterniser. Talon, non, cher Olivier, le loto, l'obéba, 10 millions de morts. Tout le monde, ma femme violée, tout le monde. Est-ce que vraiment on peut avoir le temps de dire à un individu, peut-être, je ne sais pas, il a une dépression qu'on sort. Il est en train de délirer. Laissons-lui le temps de délirer. Au cas où ça va s'aggraver, on va l'amener au CNPP. Voilà, mon amour, docteur Patricien, 30 secondes. Bah, Congolais, sur Balanda Kio, message n'y a pas de salabango. Chers Congolais, il faut savoir que Mbo Cannabiso est en danger. Mbo Cannabiso est en danger. Boyoka Kindengi lobby na conseil supérieur de la défense et le Baki. Boulanda ba tweetate. Bat moussou ba zwin ba komi na réseaux sociaux. Vina yeza ko tweete. Donc, Liboumou, cerveau na komisi na Liboumou. Ako ko tweete ne n'importe quoi. Ako ko tweete ne n'importe comment. Donc, boye ba ke moutou nyon soza ko partage. Bah, image, oh, Mboka Boukoui, Azara jamais la image, à tu t'auras jamais image, moi, pour nous soutenir, bah, faire des sept, bah, la Zalène, c'est un ennemi du Congo. Boye, bah, pe, que guerre, il se gagnera kaka, naninité, nanzela mando kite, bah, guerre, pe, zara, bah, guerre communicationnelle. Oh, M23, les lois, au sale, ça, bah, guerre communicationnelle. Et puis, boye, bah, pe, qu'azu, bah, journaliste, et belé, nan, Mboka Nabiso, parce que, il y a dans notre pays, des personnes au basomba bango déjà basomba bango makanisi ba mboko kande comme outil à vie na bango jamais akoko sali la pona mboka ya onde bomo na ba tweet na bango landa na ba page na bango tout comme on a jamais page na ye azo soutenir ba FRDC tout ba wazalendo ye page ne za la kaka ils ont pris ceci le TSS ou li ako soutenir na bamboka nyonso quand il y a la guerre son peuple soutient son armée soutient son commandant suprême. Donc, le lot, je vous appelle tous. Il y a qu'on soit là derrière ma FARDC, il y a qu'on soit là derrière commandant suprême parce que ces combats vous concernent, me concernent et nous concernent. Ce combat n'est pas le combat simplement de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi passera. Jean-Pierre Bemba passera, mais le Congo doit demeurer un et indivisible. Voilà, merci beaucoup, mon amour, docteur Patricien. Avant d'y être, émission Oyo, n'ayez pas l'obacana, bah, fidèle abonné, et même, bah, Oyo, vous allez nous abonner, partagez cette émission, et surtout, aimez, et pour que, et atteindre, bah, tu es délai, et bien plus aussi, vous qui n'êtes pas encore abonné sur Congo Live Télévision, abonnez-vous, comme n'ayez pas l'obacana, tout ça, cette émission, à la Congo Live Télévision, mais moi qui soumis. La Nicole Léka, tout Nicole Léki, moi, mon capital, comme il a créé, qui pèsère. Ou à Memaki Tony Kankou, à Memaki Jean, et à Memaki, et oui, Jean-Lucien Moussa, à Memaki Julien Palou, on a Kati. Monaki, communiqué au Memaki, où Jean-Pierre Bembaloni, et tel qu'à Mère, a co-créé rébellion à Kati à l'Union Sacrée.
Voilà, Jean-Pierre Bemba dans le bail. Tweet et Dimaki, Jean-Pierre Bemba, et longa Jean-Pierre Bemba, là, c'est ma commis, message, Jean-Pierre Bemba dit que Vital Kamerhe est en train de créer la... Je n'ai pas la véracité, il y a communiqué, non, mais moi, je t'ai dit que c'est incohérent. Tu as déjà la charte à Mounene, qui est l'union sacrée, au bisou tout au signant, Kamerhe est membre et présidium, où il y a des objectifs déjà précis, au kende qui élection en tant qu'union sacrée, comment recréer les sous-groupes dans le cas où il y a un groupe sous. C'est incohérent. Même sur le plan de la rationalité, c'est irrationnel. Maintenant, il y a un monde qui est là, ta peuple, n'est pas recevoir ça. Peuple à recevoir un homme à B. Et comme ici, bah, on se le voit moi, malade, et on est, tu vois, que tout le monde est en train. Et à mon épouna, Vital Kamerhe a dit qu'on crée ma coalition. Est-ce qu'il y a une frustration de combat de côté là? Nous avons plusieurs députés. Nous avons des députés nationaux. Bemba, ce n'est pas le poste qui l'importe. Bemba, c'est la nation d'abord. Il pouvait être candidat, il y a eu plusieurs fois, cher Olivier, Bemba pouvait être candidat président de la République. Et puis, en gras, on va voir qu'on les va voir ensemble les opposants. Bemba pouvait avoir plus de la moitié de leur voix. Mais il n'a pas fait, il a soutenu son frère Félix Tshisekedi, pas si Nabango Isaki. Pour songi songi makasi, une liaison entre Jean-Pierre Bemba et Félix. Les liaisons te bengo une na chimie liaison covalente. Les liaisons y a forte énergie. Le fait en Félix en 2028. Tu souhaites toi comment vous l'avez fait Félix en 2028. Ah bah le point ni le président Félix Tshisekedi, liaison na bango na bengo une liaison covalente. Pour na ko kata ngo za passe. Donc passe y a liaison na désosa bango ou tout passe. Merci beaucoup.